nécessaire. C'est neutre et bien plus quand c'est nécessaire pour la négation. Okay. Alors, ne et pas, c'est une salade, une pizza ou un sandwich? C'est un sandwich, n'est-ce pas? Voilà, c'est un sandwich. Donc voilà, c'est ne plus pas. Et ici, adjectif, verbe, c'est ça? Oui, j'accepte la réponse. Donc voilà, c'est un verbe ici, à l'intérieur. Ça forme un sandwich, n'est-ce pas? Donc ne pas est dans le centre, le verbe. Il y a un verbe. Ok? Alors oui, j'ai une carte. Oui, j'ai une carte, c'est l'affirmation. Et la négation, pose la question à votre partenaire. Et la négation, regardez, le sandwich est nécessaire. Donc une négation, pose la question à votre partenaire. Oui, j'ai une carte. Et non, posez la question à votre partenaire. Je peux travailler avec Jessie. Okay. Répétez la classe. J'ai une carte. Très bien. Le verbe, où est le verbe? C'est ça, n'est-ce pas? Et. Ça répète la classe et. D'accord. Ok. Donc voilà le verbe. Donc la réponse négative, non. Je, très bien. Très bien. Est-ce que c'est correct, oui ou non? Non, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? C'est N apostrophe. Très bien. N apostrophe. Et pourquoi apostrophe? Voyelle. Très bien. Il y a une voyelle. C'est ça. Donc, il y a une voyelle. Répétez la classe. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Très bien. Alors, les voyelles. Donc, je change à J apostrophe. Ne change à N apostrophe. Et Q change à QU apostrophe. Voilà les trois exceptions. Attention aux trois exceptions. Que c'est par exemple dans la question est-ce que? Le professeur est-ce qu'il danse? Voilà. Donc il y a trois exceptions. Non, je n'ai pas, attention, je n'ai pas deux cartes. Et deux cartes. J'ai une carte, je n'ai pas deux cartes. Quelle est la différence? La différence, c'est quantité positive, quantité négative. Ici, c'est zéro. C'est zéro. Je n'ai pas deux cartes. Je n'ai pas deux cartes. Voilà la différence. Alors, la réponse, oui, j'ai une carte. Qui dit oui, j'ai une carte pour l'examen numéro 1. J'ai une carte. Okay, qui dit non, je n'ai pas de carte. Je n'ai pas de carte. Je n'ai pas. Ok, so during the break, you have a few minutes to scribble one really quick. 3 by 5, just to be fair with everybody. Donc voilà, ça c'est les deux réponses à cette question ici. Et juste pour la prononciation, la classe, quelle est la différence entre ça et ça? Quelle est la différence entre ça et ça en prononciation? Répétez la classe. J'ai. J'ai. Voilà, donc c'est différent. Enfin, c'est similaire, mais attention, il y a une petite différence là. Okay? Donc, est-ce que tu as une carte? Voilà, c'est une question. C'est une question. Est-ce que tu as une carte? Changer la question. Reformuler la question avec l'inversion. Reformuler la question en utilisant l'inversion. Par exemple, est-ce que tu adores San Diego? Voilà, est-ce que tu adores San Diego? Voilà, ça c'est la forme est-ce que, et après inversion, l'inversion c'est yes. Voilà.
vous éliminez ça. Le pronom, le sujet, le pronom après le verbe. Adores-tu San Diego? Voilà, ça c'est un exemple. Est-ce que tu adores San Diego? C'est acceptable, c'est une excellente question. Inversion, éliminer ça, le pronom sujet après le verbe. Adores-tu San Diego? Et connecter les deux avec le tien. Ici, est-ce que tu as une carte? Est-ce que vous avez une carte? Et avec l'inversion? Non, posez la question à votre partenaire. La réponse? Tu as la réponse? Est-ce que vous avez la réponse? Qui dit oui, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Qui dit non, je n'ai pas la réponse? Zéro. Très bien. Ok. La question. Est-ce que tu as une carte? Oui. Merci. Mais et avec l'inversion? Avec une. Oui, c'est ça. Très bien. Donc voilà la réponse. C'est avez-vous. Avez-vous une carte? Et avez-vous une carte? D'accord. Vous éliminez. Voilà, c'est éliminer est-ce que. Et après vous, ici. Et après vous connectez-vous avec. Avez-vous une carte? Donc ça c'est similaire. Cet exercice est similaire à l'examen. Alors, vous avez est-ce que vous avez. Avez-vous une carte ici. Attention. Est-ce qu'il danse? Est-ce qu'il danse? Est-ce qu'il danse? Voilà, ça c'est une. Il y a une petite exception. Est-ce qu'il danse? On pose la question à votre partenaire. Et l'inversion. L'inversion. Est-ce qu'il danse? Changez la question. Hein. Est-ce qu'il danse? Ok, numéro 1, j'élimine est-ce que, n'est-ce pas? Voilà, j'élimine est-ce que. Voilà, comme ça. Numéro 2, qu'est-ce que je prends? Je prends, et ici, qu'est-ce que c'est? Presque. Donc, je prends le subject. C'est par exemple les petites machines avec les teddy bears. Et après il y a voilà comme ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc vous prenez il y a an answer to the word. C'est ça. Vous le prenez. Est-ce que c'est correct la classe? Okay. En principe, oui. N'est-ce pas? En principe, oui. Donc, vous avez, avez-vous, tu adores, adores-tu. Ok. En principe, oui. Donc, il danse, il. Oui, c'est ça. Donc, c'est la lettre T. Ok. La lettre T. Pourquoi la lettre T? La prononciation, très bien, oui. Et voilà, il y a deux. Quel type de lettres sont? Des voyelles, c'est ça. Attention, il y a deux voyelles? Oui. Une question inversion? Oui. La lettre T? Oui. On a trois. Inversion? Oui. Deux voyelles? Oui. Conclusion? La lettre T est nécessaire. C'est une petite exception.
Dans style. Répétez la classe. Dans style. Dans style. Très bien. Qui est le professeur dans style? Dans style, oui ou non? Oui. Oui, il danse. Ok. Le professeur danse-t-il le samba? Oui. En fait, le professeur danse-t-il le flamenco? Oui. I don't remember much, but oui. Est-ce que le danse-t-il le salsa? La salsa. Oui. Ça, non. J'en sais pas pourquoi. Ce n'est pas possible. Le professeur danse-t-il le merengue? Merengue. Oui, il danse le merengue. Donc le merengue, ça, la flamenco. Le cha-cha-cha. Le professeur danse-t-il le cha-cha-cha? Oui. Ça, non. Mais flamenco, samba, la danse africaine, donc c'est de Ghana, c'est une danse africaine de Ghana, et aussi modern, danse moderne. Voilà, donc oui, il danse un petit peu là. Ok, regardez ici la classe. Avez-vous, est-ce que tu as, j'ai, etc. Quelle est la forme originale de ce verbe? Et la forme originale de ce verbe? L'infinitif, c'est avoir. Donc ça, c'est le verbe original, c'est avoir. J'ai, tu as, vous avez, etc. D'accord? Donc testez votre partenaire. Quelles sont toutes les formes possibles du verbe avoir? Par exemple, numéro 1, c'est j'ai. Donc, testez votre partenaire, un mini quiz oral avec votre partenaire. Donc, numéro 1, c'est G, et continuez avec votre partenaire. Juste un petit test oral. Une minute. Un petit test oral. Ok. On commence avec une petite compétition, donc voilà, groupe numéro 1 ici, groupe numéro 2 ici, groupe numéro 1 ici, groupe numéro 2 ici. Et on commence avec groupe numéro 1. Et répétez la classe, j'ai. J'ai. Et je cède partie, merci. Groupe numéro 2. Et répétez, tu as. Voilà. Je préfère le prononcer. Donc répétez, tu as. Très bien. Très bien, c'est ça. On a il a. Et c'est aussi possible, voilà, on et elle. Répétez. J'ai. Nous avons. Vous avez. Très bien. Et finalement. Très bien, c'est ça. Voilà. Et répétez la classe, ils ont, hein, c'est comme la lettre Z, ils ont, c'est ça, ils ont. Alors, répétez, ils ont. Ici, ah, hein. Et la prononciation exacte c'est vous avez, répétez, vous avez, ici nous avons, très bien. Donc voilà, ça c'est la prononciation de ça, et ici, ils. La. I. La. Très bien. C'est I. La. Ici. Elle. Elle. Très bien. Elle. Il. A. Et le reste, c'est facile. J'ai. Tu as. Donc, ce n'est pas différent. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le verbe avoir ici. OK. Il y a une petite liste d'expressions avec le verbe avoir, n'est-ce pas? Par exemple, avoir foi. Très bien. Donc voilà, nous avons avoir foi. D'accord? Avoir foi et aussi l'opposé. Chaud. Avoir chaud. Très bien. Voilà, c'est ça. Avoir chaud.
Sans le texte, sans les notes, juste votre mémorisation, juste votre mémoire. Complétez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4. Quatre autres expressions, juste avec votre mémoire. Pas de texte, pas de notes. Juste votre mémoire et la mémoire de votre partenaire. Un petit groupe. D'accord. Une minute pour plus d'expressions à voir. Plus d'expressions à voir. Pas de texte. Ok, la classe on commence. Ok, la compétition, donc c'est 1, 2, 3, 4, excellent. Groupe numéro 1, groupe numéro 2. Ok, groupe numéro 1, une expression. Avoir de la chance. Avoir, ok, nous avons deux. Avoir de la chance plus avoir l'air. Avoir l'air, très bien. Avoir de la chance et avoir l'air. Avoir l'air, it means to... to have an air of something. Hein? To, par exemple, tu as l'air fatigué. Hein? Tu as l'air fatigué. Tu as l'air fatigué. You have an air of fatigue. You look fatigued. Hein? Tu as l'air fatigué. Voilà, ça c'est l'expression. Ou tu as l'air content. Tu as l'air content. You look happy. Tu as l'air. So what's going on? Tu as l'air content, par exemple. C'est une description de la personne. Groupe numéro 2. Avoir tort. Très bien. Avoir tort, donc c'est incorrect. Avoir tort plus avoir peur. Très bien. Voilà. Avoir peur. Allez, c'est ça. Voilà un petit exemple. Okay. Voilà. La présentation PowerPoint. Donc c'est le verbe avoir, page 69, plus avoir faim et avoir soif. I think your book. It had them in the last edition, but I think they forgot to add them in this new edition. But it's okay. We use this quite often, so they should hopefully stick. Avoir faim means to be hungry, and avoir soif means to be thirsty. C'est l'opposé. Avoir soif. Ok, on commence. Et la chaud ou et la froid? Très bien. Et la froid, c'est elle ou il? Elle. C'est elle, n'est-ce pas? Voilà, elle a... C'est un peu difficile. Ok. Voilà. Comme ça. Ok, numéro 2. Il a froid ou il a chaud? Il a chaud. Il a chaud, n'est-ce pas? C'est l'opposé. Ici, il a chaud ou il a faim? Il a faim. Il a faim. Très bien. Ici, il a froid et il a chaud, il a froid et il a peur. Très bien, voilà. Donc, ici, il a peur et lui, il a... Il a faim, n'est-ce pas? Il va dîner. Il a peur. Ici, il a faim ou il a soif? Il a soif. Il a soif. Très bien. Voilà. Ici? Il a soif. Il a chaud. Voilà. Donc, c'est deux possibilités. Il a soif, il a chaud. Et ici? Il a soif. Il a faim. Il a chaud. He's opening the fridge to keep cool. Donc, il a chaud, c'est possible aussi. Question, il a sommeil, oui ou non? Non. Non, a midnight snack, right? He can't go to bed. So, non, il n'a pas sommeil. Donc, ça, c'est la réponse négative. Je m'écris ici. Il n'a pas sommeil. Il n'a pas sommeil. Il n'a pas sommeil. Répétez la classe. Il n'a pas il sommeil. Sommeil. Très bien. Okay. Et ici, elle a chaud ou elle a sommeil? Elle a
Et ici, elle a semé. Et ici, il a raison ou il a tort? Il a tort. Il a tort, n'est-ce pas? He's incorrect. Il a tort. Et ici, il a tort ou il a raison? Il a raison. Il a raison, hein? C'est 4 plus 4 font 8, 3 plus 7 font 9 plus 2 font 11. Très bien. Donc ici, il a raison. Il a raison, c'est correct. Il a raison. He's right. Il a besoin d'un stylo ou un crayon? Il a besoin d'un crayon. He needs a pencil. Pas un stylo, un crayon. Ici, quel âge a-t-il? C'est plus, non? C'est plus, oui, c'est plus. Alors, répétez la classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Très bien. Il a quel âge? Il a 24. Café? 1, c'est ça. Répétez la classe. 24 ans. C'est ça, il a 24 ans dans la photo. Et le professeur? Quel âge a-t-il le professeur? 35 ans, c'est ça. Et dans une phrase complète, répétez la classe. Il a 35 ans. Il a 35 ans. Et si? Elle? Elle a peur, n'est-ce pas? Elle a peur. Est-ce que c'est possible? Elle a froid? She gets chills when you get scared, right? You get some chills. Mais ici, elle a peur. Et Salma Hayek, voilà Salma Hayek. Elle a peur des serpents, n'est-ce pas? Il y a un serpent ici. Donc, elle a peur des serpents. Ok, et voilà. Ok, la classe partenaire ou mini-groupe, sortez une feuille de papier. Une feuille de papier par groupe. Une feuille de papier par groupe plus un crayon ou un stylo. Crayon, stylo plus une feuille de papier. Pictionary. Vous comprenez? Pictionary. Pictionary et les expressions à voir. Pictionary. C'est vous êtes artiste. Une feuille de papier et un stylo. Une feuille de papier et un stylo. Ok, je commence. Voilà. Ok. Et la réponse, répondez par des phrases complètes. Répondez par des phrases complètes. C'est ça. Oui, c'est ça. Il a chaud. Répétez la case. Il a chaud. Il a chaud. Très bien. Okay. Je continue. Voilà. Il a faim, c'est ça. Il a faim. Et voilà. Il a faim. Et finalement. Il a sommé. Okay, vous comprenez le concept? Ok. Donc, des groupes de deux personnes, deux ou trois personnes, trois maximum. Trois maximum. Okay. Minute numéro 1. Okay. La personne la plus petite. La personne la plus petite commence l'activité. Okay. La personne la plus petite commence à dessiner. Ok? On commence? Une minute maximum. Ok? Objectif, 10 expressions. Okay. 10 expressions dans une minute. Ça, c'est l'objectif. C'est possible? Ok? Une minute. On commence. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, une minute. Et des phrases complètes. Une phrase complète. Il a, il a. Oh, I'm going to go to the next one.
Ok, c'est fini. Est-ce que vous avez deux expressions maximum? Deux expressions, trois maximum. Trois, ok, très bien. Trois, quatre. Quatre maximum. Okay, très bien. Cinq. Cinq maximum. Okay. Six. Six ou plus. Les expressions. C'était deux. Une. Ok, une expression maximum. Je le savais là. Ok, voilà, une expression. Lèvez la main. Ok, je comprends. Ok, changer de rôle. Et maintenant, la personne la plus grande. Une minute. Une minute. And we're going to do two more times. So, ok, une minute. On commence. Un, deux, trois. Ok, est-ce que vous avez une expression maximum? Maximum? Voilà, deux expressions maximum. Trois expressions maximum. Très bien. Voilà, nous avons un groupe là-bas. Quatre expressions maximum. Un, deux ici, très bien. Cinq maximum. Cinq, très bien. Un, deux. Voilà, six ou plus. Six ou plus. Ok, bah, cinq, c'est le maximum pour la classe. Ok. Partie finale. Et donc, si c'est deux personnes qui est décidé, qui continue. Hein, parce que c'est soit l'artiste, soit l'artiste, d'accord. Si c'est trois personnes, donc c'est la personne numéro 3. Si c'est la personne numéro 3, et après c'est fini. Après, nous avons des compétitions, groupe numéro 1 contre groupe numéro 2. D'accord. Personne numéro 3, vous décidez, qui continue. Allez-y, 1, 2, 1, 2, 3. Thank you.
Ok, c'est fini. Groupe numéro 1, nominez une personne pour représenter le groupe numéro 1. Donc, nominez une personne. Et groupe numéro 2, nominez, votez pour une personne.